Isa en maternelle présente La nuit de Berck de Julien Béziat. L'autre jour, un truc terrible est arrivé à l'école. C'est Berck, mon canard, qui me l'a raconté. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai oublié Berck dans la caisse à doudou. Tu le trouveras demain, il ne peut rien lui arriver, m'ont dit mes parents le soir pour me rassurer. La nuit est tombée sur l'école. Un croco-sac à dos avait été oublié lui aussi. On va pas rester là, Croc. Allez, viens, on va se balader, a proposé Berck. Ils ont ouvert la porte de la classe. « Youhou, y a quelqu'un ?» a fait Berck. Croc a bredouillé. « Tu crois vraiment qu'il peut y avoir quelqu'un ?» Berck a voulu allumer la lampe sur le bureau de la maîtresse. Mais il a glissé. Badaboum, blang, splouch. Ouf, pas de mal, a dit Croc. Mais j'ai atterri dans la poubelle. Et toi, ça va? Oui, a répondu Berck. Je suis tombée dans un truc mou. On va prendre la lampe, elle marche encore. En avançant, Croc et Berck ont alors entendu quelque chose de bizarre. Sprich, sprich, sprich. Croc a bégayé. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un bruit de grosses pattes qui écrabouillent, a dit Berck. Berck a chuchoté. On dirait plutôt des ogres qui mâchouillent ou des sorcières qui bidouillent. Puis Berck a levé la tête. Oh, regarde, Croc, on dirait... Arrête, j'ai la trouille, a fait Croc en s'agrippant au fil de la lampe. La lumière s'est alors éteinte d'un coup. Croc a crié. Sors-nous de là, Berck. On va être écrabouillés, mâchouillés et bidouillés. Plus vite, le bruit accélère. Berck a trouvé la lumière. Mais qu'est-ce que c'est ce truc vert? Berck a alors regardé ses pieds. Il en a levé un, puis l'autre. On dirait qu'on a fait de la patouille, a dit Croc. Le lendemain matin, j'ai trouvé Berck avec Croc. Ils étaient pleins de peinture verte, mais heureusement, il n'y avait plus de taches dans la classe. Ils avaient passé le reste de la nuit à tout nettoyer. Enfin, presque tout, parce qu'au moment où la maîtresse s'est assise sur sa chaise, ça a fait... Mon histoire est terminée.